seule, elle marche seule, les portes sont fermées sur elle, personne ne veut l'aider, personne ne veut lui prendre en charge. Donc elle commence à appeler les noms, les gens, ses enfants, ses mamans qui sont mortes. Un peu quoi. Qu'elle ne comprend pas pourquoi sa vie est comme ça, quoi. Mais c'est vrai quand même, parce qu'elle a une belle voix, hein. Et si elle parle, ça se voit pas, ne parle pas forcément de la mort, elle pense quand même que. Parce qu'elle chante, elle chante bien, c'était le groupe Makaz. Mais ce groupe s'est éteint du jour au lendemain quand même, hein. Bah oui, parce que c'est comme ça. C'est une chanteuse, elle aurait quand même voulu être aussi bien connue, reconnue dans la musique camerounaise. Mais comme il y a des gens qui ferment les voix dans le monde, donc voilà. C'est moi qui mettais ce morceau, effectivement. Quand je pleurais encore l'époque ici à Facebook. Elle ne savait même pas qu'elle vivait ici. Apparemment, elle est morte ici à Paris. L'abandon. L'abandon n'est pas bien, hein. Elle a aussi voulu être comme les Lady Ponce. Mais, c'est le secrétariat. En tout cas, ta douce voix. Et donc, voilà aussi un cas ici. Parce que je pense que cette femme-ci, sa vocation, c'était de. Sa vocation était vraiment de chanter, de faire la joie de vivre, d'apporter sa contribution à la musique camerounaise. Mais malheureusement, comme les portes sont fermées ici dehors, là, parce que les portes de maman Marie ne sont pas fermées comme. C'est une copine qui. C'est une petite fille là. Quand j'allais envoyer sur la poste là, c'est elle qui m'ont fait ça. Donc c'est dit, le titre c'est 10 euros. Et puis ça, c'est une femme qui est, elle est très pieuse. Écoute-toi là. Elle est très chrétienne, donc elle m'a offert ça. C'est ce que j'ai voulu faire, plaisir de porter ça. Donc elle vend ça à 10 euros. Hein. Parce qu'il faut quand vous payez les choses, hein. Quand tu payes ta bougie, tu amènes à l'église pour allumer. Hein. Ce n'est pas normal. Il faut payer les bougies de l'église. Parce que les bougies là sont déjà prises. On prie sur ça. Elle a bien prié sur ça. Elle m'a offert ça. Donc j'espère que les choses vont aller s'améliorer pour moi aussi. Donc, si vous voulez, elle vend ça à 10 euros. J'ai payé mon gombo si hier chez nous. Non, d'accord. Au 18e. Tout bon. Ce soir, la tendonnerie. Je te dis, ouais. Là, on a fait. La dernière fois, j'avais pleuré, sinon, parce que je ne voulais pas. Là, on a fait ce que je voulais, c'est-à-dire. Gombo, poisson fumé. Royal, avec les crevettes, du poisson. Tout ça. La dernière fois, ils avaient fait avec le bar. Le bar, je n'ai pas aimé. Donc, là, ils ont fait comme j'aime. Ouais. Les artistes de Facebook, là. Une autre artiste est morte, hein. Écoutez très bien. Sane, I'm a chosen. 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 I'm a chos
J'ai m'ennuyé à l'époque là. Ah ouais, c'est moi qui avais connu cette femme et tout. Mais on dit qu'elle est morte à Paris. Toutes mes condoléances à sa famille. Hein, mais si qu'elle chantait vrai, hein. Maintenant, ne venez pas pleurer. Moi, je peux pleurer pour elle. Parce que cette dame, comme souvent là, comme elle fait souvent en Badou, là, parfois je fais des mix de. Vous connaissez un peu les mix des musiques de YouTube, parfois on me rajoute les musiques. C'est comme ça que j'étais là en train de faire mes choses. Et puis j'écoutais la musique. Et puis je suis tombé sur elle. Et puis ça m'a fait pleurer. Parce que ce qu'elle parle ici est vrai. Ce qu'elle parle ici est vrai. La musique, c'est comme la prostitution. Vous comprenez, non? Vous commencez ensemble. D'autres qui sont GMG, qui connaissent ces endroits, qui ont mis les bars à chapeau pour te prendre, pour te dire que viens pas. Personne ne te prend. N'est-ce pas, tu pleures? C'est comme la musique. Cette femme avait une très belle voix. Hein? Elle ne chante pas la vulgarité, ni la prostitution. Elle ne prône pas la haine. Mais que vous tous là, les bêtises, là, voilà votre. Vous avez la mort de cette dame dans la conscience.
Elle s'est démarquée de vous, elle faisait sa musique comme on appelle les sanignolos, c'est pas ce genre de musique comme les autres là. Elle n'était pas dans les micros, c'est soft. Voilà, elle est morte, c'est dans la pauvreté. Apparemment, elle est morte ici à Paris, non? Ou à Paris, je ne sais même pas où elle est morte. Ça, oui. Ça veut coûter quoi que vous la mettez dans votre réseau? Les réseaux de musique. Parce que ce ne peut pas être lèche-lèche. Ce ne peut pas être ceci. On ne vous prend pas dans les milieux. Oui. Elle dans son morceau qu'elle chante. Elle chante bien. Elle dit qu'elle marche seule. Elle a perdu son mari. Ses enfants sont partis. Elle est la seule. Elle se débrouille. Vous la traitez de folle. Oui. C'est, donc, moi, quand j'avais écouté ça, c'est que c'était un peu comme mon histoire. Et elle avait besoin d'un soutien. Elle est morte sans soutien de votre part. Il faut se parler d'elle. Voilà. Oui, elle chantait bien. Moi, j'ai dit, moi, c'est moi-même qui l'a mis à Facebook. C'est moi, je découvre souvent les vieux talents à Facebook. Mais oui. Maintenant, si tu ne marches pas dans certains cercles, si tu ne parles pas, tu dois être muet. Si tu parles, soit c'est Conan qui t'attend, soit tu dailles. Mais oui. Il y a des gens qui sont nés, qu'on les voit tous les jours que Dieu a créé. Ils sont contents. C'est cool les fesses dans le costume de mes fesses. Mais oui. Elle chante. Mais elle a. Si vous avez, les bêtises qui écoutent ça. Moi, je suis boulou. J'écoute parce que nous ne sommes pas les mêmes pas toi. Écoutez très bien cette femme. Elle a crié fort dans la musique. Aidez-moi. Vous m'abandonnez. Pourquoi? Parce que. Là, je suis étonné que tout le monde la connaît maintenant. Hein. Attends, on peut parler un peu d'elle. Il faut aider les gens quand les gens sont en vie. Hein. Moi, je mange là parce que j'ai l'habitude de manger. Il faut aider les gens quand ils sont en vie. Ne venez pas pleurer après. C'est un gros salaire. Ngosa, tu dis que quoi? Quand tu vas parler de l'argent, il va par quelle heure? 18h. Moi, il va peut-être prendre. Il vient de sortir, je suis parti envoyer, il y a le paquet là que j'ai envoyé. J'ai envoyé le paquet à. Là, là, je me repose là, après je vais voir. Mimi capture là. Mimi capture, j'arrive te voir. Je suis allé envoyer les trucs là. Quand je sais que j'étais un peu là, là. Ça prouve que ce que j'ai mangé hier là, le pistolet était bon. Là, je mange, là, je me repose, je me lave bien. Pas mon temps après. Non, c'est vendredi non. Est-ce qu'on est pressé? Je mange de bon gombo. Monsieur Julie, la tendonnerie. Tu me parles de quoi? Mais chanter, est-ce que j'ai dit? Parce qu'un canon, c'est pour ça que moi je vous insulte souvent. Est-ce que j'ai dit qu'elle chantait sa propre histoire? Elle chantait mon histoire. Parce que ce qu'elle chante là, c'est mon histoire. Elle chantait ma vie. Elle chantait l'histoire de tous les gens qui sont. Enfin, voilà, elle a chanté quelque chose qui est vrai. Oui. Elle marche seule, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants et tout. Elle, oui. C'est, elle chante. Moi, est-ce que je savais. Elle n'a pas chanté son histoire. Elle chante la vie des gens. Et moi, cette mesure m'a beaucoup touchée. Parce qu'elle parlait de moi. Et je pleurais tout le temps ici à l'époque. Cette mesure. Donc, il faut bien écouter, hein. Hein? Et moi, nous vivons, dis donc. C'est tout. Moi, je viens dans mon match. Que quand on a besoin d'aide, que nous sommes, c'est comment? Vous avez, nous, on n'a pas. Amenons-nous aussi, non, vous n'amenez jamais personne. Et puis maintenant elle va mourir, vous allez venir faire les grandes deuils. Ngosa, tu dis que quoi? Ngosa, je m'en fous de ce qui se passe. Nadine va parler de la vérité. L'enfant l'était émacié d'eau passimentaire. Et peut-être que Ngosa, tu ne dépasses pas. Nadine va pas aider ses enfants bien. Ses enfants n'allaient pas façon bien. Toi-même, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as rien fait. Tu as quel enfant, Ngosa? Tu n'as aucun enfant. Donc ferme ta sale putain de gueule.
Tu n'as pas d'enfants, sois pas tes enfants. Tu voulais venir escroquer les gens des réseaux sociaux, on a sorti ça. C'est tout. Tu veux faire un grand direct, tu vas dire quoi? Tu peux laver Nadège. Nadège, tu as tellement quoi de taper cette chose-là. Tu la tapes aussi comme j'ai fait la dernière fois. Quand on l'attrape, elle dit que quoi? Nadège va pour moi, c'est là quand même. Même si son enfant est comme Nadège va pour moi, ça a accouché avec ses enfants. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Dis donc, crevade là. Bombo et Indi. Oui, c'est ça. Indi, c'est quoi? C'est le mâchoiron, non? Oui. Mais tu partais là-bas, commander, aide à soigner ici. Quand tu as des photos ici, tu oublies quand tu soignes. Hein? Mais voilà, faut pas que les artistes qui publient la vie la publient pourquoi? Cette fille, elle a chanté où au Cameroun? Et rien. En dehors de ce clip-là, tu n'as jamais vu de chanter dans un truc. Voilà les pauvres. Moi, j'aime pas. Aujourd'hui, là, on publie. C'est maintenant que vous savez qu'elle existait. C'est dans la mort qu'elle va être une légende. Et de quoi? Tu n'as pas vu comment les deux les détourner? Parce qu'il y a que maintenant, les gens ne vont plus cotiser. C'est pour ça qu'il y a fait des clashs. Et de clash. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as mon numéro de téléphone, non? N'est-ce pas, tu as mon numéro de WhatsApp, non? Tu commandes, je lui dis. Tu donnes les numéros, les tailles et tout ça. Je lui dis, elle va t'envoyer. Elle me t'envoie, c'est ici à la poste. Tu l'envoies, je donne le numéro. Tu gères ça avec elle, l'argent et tout. Pas avec moi. Parce que. Oui. Et en plus, c'est une femme qui est très pieuse. Donc, elle prie beaucoup. Elle aime bien les choses de Dieu. Moi, j'étais m'étonné qu'elle m'offre ça. Elle était tout à l'heure, elle était partie. Aidez les gens quand les gens sont vivants. Ne venez pas maintenant faire des directs sur la femme de tuer, comme vous n'avez pas aidé quand elle avait besoin de vous. Oui. Il faut aider les gens quand les gens sont vivants, hein. C'est tout. Moi, mais c'est étonnant que là, je vois maintenant tout le monde, mais il y a son groupe, ma case, on met sa photo. Une femme qui souffrait. Les Camerounais. Cette femme souffrait. La première personne qui met ses morceaux à Facebook, c'est la veuve joyeuse. Et les gens ont aimé. Le groupe, ma case, il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai pleuré encore mon mari ici. Quand j'ai pleuré encore, quand elle était encore la championne des pleureux de Facebook. J'ai jamais entendu, je ne savais pas qu'elle existait. Hein. C'est comme moi, j'ai fait celui-là, mais partout, là, j'ai trouvé des morceaux. On m'a mis ça dans mon mix. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer des morceaux ici. Il faut écouter. Ma roulée, ta mère, je marche sur mes soeurs, vous êtes où? Pourquoi vous me tenez pas? Je ne sens aucune star. Les bécoussins la tiennent la main. Ou la chanson comme on lui a tenu la main, les montre seule. Donc, laissez-la. Moi, je dois la pleurer. Parce qu'elle m'a fait pleurer. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit. J'ai cru que j'étais dans cette vie. Si vous écoutez ce morceau, elle parlait de moi. C'est comme ça, c'est comme ça. Elle parle de ma vie. Donc voilà. Voilà notre soeur Mathilde Blanc qui est morte là. Elle avait tous les atouts, tout. Et pour me dire que ma soeur, Dieu même l'avait même. Dieu, rien. Elle m'a mis à côté. Elle est d'ailleurs aujourd'hui. Il veut pleurer pour elle. Non. Moi, je parle ma part. Il faut parler des choses comme ça. Hein. La femme, si vous voulez, elle a fait des cris d'alarme ici. Ma roulée, tam et tam. Vous êtes où, mes soeurs, mes frères, vous êtes où? Tenez-moi la main. Elle voulait seulement qu'on l'aide pour sa musique. Personne ne l'a aidé, cette femme. Et vous allez, je vois, il y a des posts bizarrement. Tout le monde met des posts sur elle à Facebook. Vraiment. Est-ce que tu fais éphémère, hein? Bah oui. Elle a donné un cri d'alarme.
soit parce que quelqu'un chante que c'est la musique, elle chante, elle pensait que peut-être quelqu'un lui a eu la même. Regardez tous les jours que Dieu a créé. Nadia papa, vous aimez seulement les clashs. Hein? Nadia, tu la laves. Pop. Parce qu'on l'a démasqué, elle veut que les gens prennent les dos. Elle veut que les gens cotisent. Et je vous donne rendez-vous à 18h à qui? Rendez-vous de quoi? Laisse ça, Ngosa. Va prendre ton niveau. Et papa a dit, ton neveu était malade, il devait mourir. C'est tout. Il était émacié. Et bien, il a tout fait comme ça, la malade. N'est-ce pas, tu gagnes l'argent à Meta? À Meta. Moi, je pleure mes cases. Je pleure courir. J'ai même mis mon beau. C'est la honte. Elle veut avoir la compassion des gens, que les gens l'aident. Maman. Vous avez les gens qui vont vous aider, même. Non, c'est été cuisiné par des professionnels. Hein. C'est chez Stage Julie. Le soin de la tendrerie. J'ai payé ça. Hein. Bon, c'est un monsieur qui m'a offert ça. Non, mais c'est que les clashs vont donner les étoiles, non. C'est un clash préparé. Ça donne les clashs, c'est un clash préparé. Moi, mais j'ai vu. C'est un clash parce qu'elle voit que depuis hier qu'elle a parlé, non, il y a même personne qui envoie les cartes PCS. C'est qu'elle n'a pas l'argent, elle peut plus, son passeport est fini depuis. Elle ne peut plus aller prendre l'argent avant cette union. D'accord? Elle ne peut pas aller prendre l'argent avant cette union. Elle ne peut plus aller nulle part. Donc, elle préfère les cartes bleues. Et comment on ne peut pas faire les PayPal, c'est. On va knock donc PayPal. Donc maintenant, là, vous voyez un peu. Tu vas non. Elle détruit maintenant. Il veut maintenant que les gens lui envoient ça en forme d'étoile. Tu vois non. On envoie en forme d'étoile, oui. C'est pour ça qu'elle fait les clashs. Parce qu'elle va insulter. Elle va encore dire quoi, la jeune papa. La jeune papa, elle te fait ça du moment, mais je vais venir là-bas. Elle va insulter jusqu'à. Ben oui. Je promets le clash. Tu promets quoi? Tu n'as pas encore dit quoi? La dernière fois, que la dernière fois, pas au courant. Merci. Mais c'est quand même marrant, le nouveau clash de maintenant, là, que les gens sont en train de dire que je promets le clash. Tu vas encore dire quoi? La dernière fois, je vois que tout le monde ne connaît pas. Tu vas sortir quoi? La dernière fois, que la dernière fois, n'est pas au courant. Tu dis qu'elle se prostitue dans les villages et toi-même, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi chez toi? Moi, pour me lever, tu dis quoi? Hein? C'est là, dis quoi? Quand j'ai rien fait. Comme j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris la lame maintenant. Mais 16 ans, je finis d'abord par là-bas, après je continue dans mes choses. C'est tout. C'est l'indem. Parce que la peine de Ngosa. La page de Moussa est monétisée. Elle a les grandes étoiles. Elle a les publicités. Tu gagnes l'argent. Oui, elle a fait presque 2 mois sans rien. Pour gagner les dons. Toutes les pages sont touchées. Après, tu me sauves ta page. Et que toutes les pages sont touchées. Sauve ta page, Moussa. Il dit que tu sauves ta page. Quand tu gagnes l'argent.
Tes pleurs ne sont pas justifiées, Moussa. Et que tes pleurs ne sont pas justifiées, je ne te demande pas. Massa. Qui Moussa. Massa. Donc, ma soeur, je te répète et redis que tes pleurs-là ne sont pas justifiés. Demande, moi je m'assois, je demande. C'est une petite fille qui vend ça. 10 euros. Si tu as besoin, tout à l'heure, elle va m'envoyer son numéro de téléphone. Je vais vous communiquer son numéro de téléphone après. Donc, comme ça, vous passez directement les commandes. Moi, ça m'apaise, maman. Si tu dors avec un t-shirt comme ça, tu crois que qui va te déranger dans ton sommeil? Je t'ai dit, faut pas être comme ça. Hein. Demande aux gens que ouais, je viens de perdre. Mais oui, tu t'assois comme ça. Que tu fais un long direct des pleurs du bonnet. Juste que je viens de perdre mon frère. Mais tu, maman, la jeune papa te connaît très bien. Tu veux dire qu'on ne jeune papa. Attendez, hein. En gros, ça. Tu promets de clasher une personne à 18 ans. Tu veux dire qu'on ne jeune papa. Papa va t'asseoir sur toi. Elle va même te taper bientôt. C'est parce que tu es trop douce, hein. Tu sais même qui dit donc, une maladie, une femme maladive comme toi. Mais venez les réseaux sociaux. Je dis que j'ai perdu mon frère. Aidez-moi. C'est tout. Et que tu dis que aidez-moi, ça finit. Tu voudrais pour 300 euros. Je vais l'appeler là. Mais attends. Hein? Non. Pardon. Arrêtons un peu de juge. Toujours pour faire les choses là qui sont bizarres là. Hein? Call ended. Attends, je l'appelle. Faut arrêter. Elle va en 10 euros. Mais quelle est à midi? Coucou ma puce, je sais pas où tu te trouves. Écoute, j'ai une commande de t-shirt pour toi. Pour 300 euros. Donc ça veut dire 30 t-shirts. Hein? Bah tu vas quand même faire un petit prix, hein, parce que la veuve joyeuse. Hein? Donc, bon, tu vois, tu vas commencer, tu vas être bien riche. Donc essaie de me rappeler. D'accord? Comme ça, je donne le numéro avec la dame. Et comme ça, je parle avec la dame. Merci. C'est ma petite fille de maintenant là que avec elle qui est venue, qui était avec moi à la poste là, qui est venue, voilà. C'est elle qui m'a donné ça. Tu portes la carte, si c'est pas tu es protégée. Maman Anna. Maman Marie, ah Maria, et là dans les t-shirts, elle écrase même, elle écrase les serpents, elle écrase les serpents, n'est plus que. Non, elle va me rappeler, c'est une petite fille qui est très sympa, elle est très pieuse, quand tu parles avec elle, tu n'as même peur de parler, même certains mots qui sont un peu bizarres, quoi. Elle est très pieuse, oui. Donc, Lengoza, laisse-nous ça. Laisse-nous pas partir. Laisse-nous pas même n'est rien. Laisse-nous pas partir les valises. Oui. Mais elle a ses enfants, les grand-mères. Toi, tu ne seras jamais heureuse, grand-mère. Ce n'est pas ton sang. Ce n'est rien. Les enfants, que sont de quels enfants? Tu n'as pas d'enfants. Fais ta gueule, dis donc. Tu n'as pas. Tu vas élever les enfants de Twist, élever les enfants d'autres personnes sur votre enfant. Une femme qui n'a pas eu d'enfants. Attends, non, je vous dis. Même si tu élèves les enfants de Twist, oui. C'est ta femme va toujours retourner chez ses parents un jour. Va se chercher à savoir qui était sa mère, qui sont ses frères. Oui, il y a les résultats, surtout ici dans ce monde, c'est comme ça. Mes enfants, jusqu'à où ça sale l'âge bouche, tu as les enfants. Tu n'as rien, ton ventre muet, saleté. Comme tu as appuyé vos enfants dans les cabinets, dans les toilettes, et si vous étiez où? Nous qui allons, nous on a supporté 8 mois, 9 mois, hein? 7 mois, 8 mois, 9 mois, on a accouché pour nos enfants. Quoi, oh, comme vous avez les familles pour vous ne pouvez pas accoucher. Nous, on a accouché dans des familles milliardaires. Je donne à nos enfants, on est les grands, on est fiers de ça. C'est notre sang, hein. Donc, vous qui n'avez pas accouché, ne nous en voulez pas, hein. Arrêtez un peu. Tu ne peux rien faire, je ne peux pas. Arrête, je ne peux pas. Tu ne peux faire quoi, je ne peux pas, comme ça. Même avec les mêmes, même avec tes tapes, elles te passent en tout. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es qu'une commandante de manger des réseaux sociaux, c'est tout. C'est quoi, on est fatigué de. On est fatigué. Je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas dire la vérité. La femme était malade depuis.
Tu veux maintenant t'asseoir. Non. Tu dois la fermer ta putain de gueule, Moussa. Ferme ta gueule. Tu es une personne insensée. Tu es qui? C'est quoi? Moi, je ne vais pas faire quoi? Es-tu le baliste? Et alors? Et toi, tu te rends dans la vie? Hein? Afin de t'asseoir dans le camion, dans ta voiture, là, tu fais son jacques plat. C'est jacques devenu comme le bout de couscous derrière. Tu as des et tu donnes les rendez-vous pour les trucs parce que tu veux que j'ai envie de te mettre les étoiles. Continue à mettre, ne mettez-moi pas chez moi. Hey. Hey, j'ai les étoiles. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai les étoiles. Non, on a un dé quand même. Ouais. Oh, la France me fait mal. Ma case. On est chez ma case. Ma case, ma soeur. Donc, je te dis. Hey, j'ai assez. Je connais sa soif. Tu peux menacer qui? Moi, ça, tu peux menacer qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Mais puis ma coupe. Elle n'est pas un période de deuil. Parce qu'elle est bonne. Elle est en problème. C'est que. Le problème, c'est que. La cette histoire, mes voix. Calmez-vous. Moussa n'a plus de papier. Elle n'a plus de passeport. Elle n'a pas de passeport. Elle n'a plus la carte de séjour. Elle ne peut pas voyager. Donc, elle n'a pas fait de prépa à son nom parce que tu peux faire les prépa, il faut que tes papiers soient aussi en règle. Il faut, enfin, pas que ça en règle, mais il y a quand même l'adresse et tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Un processus très compliqué aussi. Est-ce que les gens n'ont pas cotisé? Donc, elle va maintenant entrer dans les clashs avec ma deuxième papa pour que les gens viennent lui donner des étoiles. Oui, tu vois, non? C'est tout. Comment tu peux être en deuil? Parce que tu as appelé ton neveu là, et tu dis, tu peux parler quand je ne vais pas parler. Je ne vais pas moi, je dis, non, je ne vais pas voir. Toi et moi, une place. Tu peux dire quoi? Elle promet des clashs, hein? Un petit garçon est mort. Personne. Tu n'as jamais les escroqueries. Ma c'est grave avec les femmes mariées, si, hein? Vous dites que c'est trop grave les femmes mariées de Facebook. Tu vis avec Thierry, non? Tu n'es pas appelé ce cueil. Hein? J'ai mes followers. J'ai les followers. Qui m'aiment. Non. C'est comme ça qu'on dit, tu crées une cellule à WhatsApp. Une bonne cellule à WhatsApp, tu donnes le numéro seulement. Tes vrais gens viennent là-bas, ils cotisent là-bas. Et ce qu'on fait, on fait souvent là. Les gens viennent là-bas, ils cotisent là-bas, ils te donnent l'argent, même 1000 euros. Tu peux m'avoir même plus de ça. Les gens t'aident. Malheureusement au Cameroun, les enterrements sont devenus les fêtes. Donc c'est pour ça que maintenant ça coûte cher. Il faut poser la question que les gens, nos gens d'antan faisaient comment? C'est quand il y a eu le christianisme qu'on a commencé à enterrer les gens dans les cartes blanches là. Ben oui, avant, quand tu mourais, les gens d'antan, le même jour, t'enterrais le même jour. Oui. Ils n'avaient pas de temps. Dès que tu meurs, j'en pleure toute la nuit ou le lendemain matin. Il n'y avait pas question parce qu'il n'y avait pas les morgues, il n'y avait rien. On t'enterre. Dès qu'on t'enterre, au fur et à mesure que la nuit, on veille sur le corps, le matin, les femmes commencent. Parce qu'on enterre toujours vers 14h ou vers 16h, 15h. On dit c'est là que les gens partent au ciel ou quoi. C'est comme ça que les gens faisaient. Les secrets, là, on sent les gens. Il y a certains gens qui viennent sur les secrets en plein jour. D'autres préparent. Dès qu'on finit d'enterrer, boum. Les gens finissent de marrer, manger, tout le monde rentre chez lui. C'est tout. Les dés qui sont devenus les dés de richesse, si. Les dés de matuvi, les dés de cellulaire, les dés de. Les, ma.
même les concerts, ça n'a pas le nombre de vues. Mais arrêtez. Les deux sont là transformés, quoi. Hein? Maintenant, il y a un peu mieux à plaider. Il faut gérer aussi la paix de ces gens-là qui meurent. Hein? Leur famille, hein. Parce que j'ai l'impression que les deux sont devenus quelque chose de banal. Tout le monde a des maintenant, tu dois pas savoir ça. C'est quoi? Même le mariage, on n'a pas comme. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il n'y a plus tout le mariage. Hein? Les gens ne se marient plus. Vous avez remarqué ça. Il n'entend plus qu'il y a eu beaucoup de mariages de un temps. Il entend seulement que ta day, day par ci, day par là, day en haut, day à gauche. Hey! On parle que de day. Vous allez vous marier, non? Mariez-vous! Ça, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de mariage, il n'y a que le tabassage à sec. Les écorchus de ça. Mais bien, vous dites les caca. Mais quel son nom? Natacha sort, tu sors du dos, tu la termines. Le phénomène est expliqué comme elle a. C'est quoi? C'est le deuil. Tu as perdu quelqu'un, lui, il y a quoi? Mais plein, non? Je promets, tu peux faire. Et que tu peux même faire quoi à qui? Donne-moi rendez-vous encore fini, dis donc. Je te casse, t'enlèves ton dentier là. Il me dit, avec ses joues, elle me bille. C'est juste un dieu que les gros caca de maman. Quand elle fait ce que calme comme ça, non, plus un autre artiste, ma case. Courir ma case. Des gens là, voilà une dame qui a demandé que tenez-moi la main. Là, vous n'avez pas dû fermer les portes partout. Oui. Vous n'avez rien fait pour elle. Elle était au volant, hein, avec les morceaux de Lady Ponce. Bap. Tu vois que ça ne marche pas. Lady Ponce, mais qui? En tout cas, ça vous regarde. Ne me mêle pas. Mais attends, n'achète pas pas. Maman, Facebook, c'est que à la guerre comme à la guerre, une personne ne dit qu'un. Une personne qui t'a fait du mal à Facebook, une personne qui t'a dénigré, une personne, maman, que vous n'avez jamais arrangé. Il y a maman, on te tue une fois, dit donc tu meurs. C'est quoi? Les deux sont devenus maman des mariages. Ngosa, marie-toi un peu, non? Voilà, pas Ngosa. Maléba. Ton mari Ngosa, il s'appelle Ngosa. Il ne veut même pas te renouveler tes papiers. Tu es sans papiers en Europe, sans papiers. Là où tu roules, là, tu sais là où tu passes. Parce que dans les petites villes comme Rouen, comme ça, il n'y a pas tout le temps la police en route. Moi, je préfère encore tirer les valises comme ça, j'aime pas peur. Comme tu dis qu'elle tire les valises. Je préfère encore tirer les valises, faire allô, allô, que d'aller m'asseoir dans un camion. Là où tu pisses sur pierre, tu chies sur pierre, dans le seau, après tu vas le jeter après. Tchèi! Massa, la tortue de ça, tu parles à une femme qui est la haute classe. Les gens parlent de la haute classe de la prostitution, oui. Toi, tu fais quoi? Allô, allô, 15 euros. 1 heure, 15 euros de camion, tu parles aussi aux gens. Hein? Mes enfants, tu as couché quand? Mes enfants! Tu as fait mal, hein? À mes enfants, tu as des enfants, mais j'aime pas tes enfants. Elle a pris le temps d'accoucher ses enfants. Elle a son fils, elle a sa fille. Elle a ses enfants, j'aime pas. Elle les a accouchés. Ici, quand vous êtes en train de traîner ici à Paris, elle a eu son enfant que vous appelez Drogué là. Oui, elle a accouché ici. Tu peux aussi accoucher, tu peux aussi accoucher. Tu n'avais pas le temps. Tu avais le temps de sucer les pays de Féman. Pas plus en vouloir, hein. Vous voici ici, ici, maman. Grand-mère, oh, attends, compère. Elle est grand-mère. Toi, tu as quoi? Mes neveux, mes enfants. Tu as eu quel enfant? Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'as jamais accouché. Je le dis. Vous avez eu l'opportunité, le temps d'accoucher. Vous n'avez pas pris le temps d'accoucher. Vous n'avez pas pris le temps de perdre un an de possession pour faire des enfants. Non, vous n'avez rien fait. Vous tous là, vous venez vous asseoir à faire. Ce ne sont pas vos enfants, je vous dis. Quand vous êtes en train de voter, vous pensez à quoi? Quand il faut penser à notre vieillesse, moi je pense à ma vieillesse. Hein. Vous voyez que moi je vais manquer le savon un jour. Je vais pas manquer le savon, hein. Le savon manque à bon jour, hein. J'aurai toujours. L'idée est devenue maintenant la richesse des réseaux sociaux. On ne parle plus de mariage, hein, c'est bizarre, hein. Ça fait un moment que j'entends plus que les gens se sont mariés à Facebook et maintenant c'est que deuil. Oh wow.
le tabassage de ça. Le passage de ça. Elle ouvre sa grande gueule. En tout cas, nous sommes à Facebook. Hein. Nous sommes à Facebook. Mais voilà, écoutez très bien. Elle sort à 8, 18 ans. Nadine m'a pas tué ça aussi. Tu finis encore. Tu finis encore. Tu vas dire quoi, Nadine m'a pas tué. Une fois que tu as ramassé dans la rue, qui t'a aidé, que tu es parti boire chez elle. Hein? On a insulté ton neveu. Je suis en contact avec tous mes neveux. Je suis en contact. Toujours comme ça. Moi, j'ai des neveux, hein. Moi, j'ai mes neveux, j'ai ma famille. Tu penses que ce que vous faites, un de mes cousins, ma famille, peut venir parler à Facebook? Jamais, c'est interdit. Tout le monde me regarde comme ça dans ma famille. La famille, va nous tuer. C'est tout. Parce que vous n'avez pas fait la part des choses. Oui. Moi, elle peut faire comme insulte. Tu vois, comme une de mes cousines, mon frère ou ma soeur, ou, venir s'asseoir à Facebook pour m'insulter, ou bien pour dire les informations, pour donner des informations sur moi. Ça ne risque même pas d'arriver. Oui. Moi, j'ai subi cela à Facebook. Même mes enfants, j'ai interdit mes enfants de venir insulter à Facebook. Au moment où mes enfants voulaient venir, souvent, ils viennent me dire, maman, c'est ma maman qui m'a dit, ma fille, bonsoir. J'ai regardé, j'ai dit, la femme se fait quoi ici? Je n'ai rien dit. Dès que mon direct est fini, je suis allé là faire un boum, me rendre là-bas, que je n'ai plus jamais. Quand tu viens de mes directs, regarde après, tu ne parles pas. Oui, qui? Ma famille n'est pas avec moi. Ma famille, c'est moi. Moi, je gère mes choses à Facebook seul. Je ne mélange pas ma famille. Les gens qui sont mon frère ou mes soeurs, là où c'est. Quand je. Ce n'est pas comme ça. Vos familles sont mélangées dans les couleurs de Facebook. Vous croyez que ma famille est mélangée à Facebook? Ma famille, qui? J'ai dit, je finis avec toi. Oui. Ben oui. Tu ne peux pas voir un jour que ma famille. Jamais. Il me reste comme ça. Okay. Vous avez des talents, vous vivez dans les réseaux sociaux, vos vies, on connaît tout. Non. C'est tout. Même ma petite fille, elle vient d'Angola. Je la filme encore maintenant là parce que cette année, l'année prochaine, je n'allais plus jamais. Je veux encore la filmer quand elle aura peut-être 15 ans ou 10 ans. Là, vous êtes en garde plus jamais. Oui. Vraiment. Je suis en contact avec mes neveux, avec mes nièces, je suis ma chère. Nous tous, on n'a pas les neveux. Non, je ne papa n'a pas les neveux. On a une grande famille ici, hein. Non, je ne pas poursuivre personne. Tu veux monter que quoi? Hein? Vraiment. Ah, en tout cas, c'est pour vous là-bas. Plaire ton neveu tranquillement et commande des étoiles. Commande des litis, c'est tout. Là, non, je ne pas tranquille. Tu as parlé. La guerre, comment la guerre? Non, tu crois que tu as fait les bien. Tu viens t'asseoir, tu parles, arrêtez un peu parfois. Hein? Dis que tu commandes les étoiles, va donner les étoiles. Hein? C'est quoi? Il faut laisser. On a un grand day. Une grande musicienne qui est morte là. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ouais, dès que moi j'aime pleurer, ce soir je veux lui faire sa part de fête. Je veux danser pour elle, je veux souhaiter qu'elle passe reposer en paix. Parce que c'est une femme qui a été incomprise de la musique camerounaise. Oui, incomprise. Elle a demandé qu'on ouvre les voix, qu'elle aussi peut venir faire les grands concerts comme les Salin Yolo, comme les Baza. Ici, on ne l'a pas aidée. Oui, elle est morte comme ça. Donc là, maintenant, les gens qui viennent maintenant, fait comme si on les met là. Hein. C'est moi la première blogueuse qui commence à mettre ses musiques. Je pleurais même quand je mettais ses musiques. Parce que ça m'a vraiment touché. Parce que si vous écoutez comment elle chante, tu sens que c'est un cri que aidez-moi mes frères, aidez-moi mes soeurs de la musique. Personne n'a tendu la main. Parce qu'il y a certains gens, eux seuls qu'on doit voir, d'autres on ne voit pas, d'autres sont effacés. Et ce n'est pas bien. Parce que chaque personne a son rythme de musique et sa façon de chanter, sa façon de faire sa musique. Elle est morte comme ça alors que c'était une personne qui devait nous apporter quelque chose dans la musique camerounaise. Oui, mais dans la musique, même dans le monde même. C'était une artiste. Elle avait une très belle voix. Là, voilà qui part comme ça, là, l'anonymat. Vous ne parlez pas, vous êtes comme plein courir. On va aller pleurer les neveux, les frélatés et tout ça. En tout cas, nous, on est là. Nous, on est là. Hein. On attend les grands directs de 18 ans. Il y a que l'âme, la prenant. Faites attention, faites que vous ne serez pas une femme en soi. Parce qu'une petite Camerounaise qui se bat là, elle est très pieuse, elle vend ça à 10 euros.
Elle vend ça, j'ai dit 10 euros. 10 euros. Derrière, devant, pareil. Elle est très pieuse, cette fille. Elle parle, elle aime bien le christianisme, elle aime bien, elle est très pieuse. Oui. Des femmes violentées, violées, tabassées. Pardon, mais voilà. Tu as le contrat? Il est vrai. Ne perdons pas de temps et signons le mariage. Bon, mais Waros, je voudrais vous dire que je souhaite toutes mes condoléances à la famille de Coury du groupe Makaz. Vraiment, ma soeur, j'étais connue quand moi j'étais dans des états un peu bizarres. Je ne comprenais pas là où ma vie allait, où ça avançait ou pas. J'étais trouvé dans YouTube, j'ai aimé ta musique. Et c'est même moi qui t'avais fait connaître dans les réseaux sociaux et tout. Oui, tu chantais très bien. Vraiment, ce n'est pas grave. Si les portes de ce monde, de notre monde des vivants, si, ne tombent pas, les gens n'ont pas voulu t'ouvrir les portes de ce monde, si, sache que les portes du Seigneur, là-bas, il va t'ouvrir les vraies portes, tu seras heureux là-bas et tu auras tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as vraiment crié, ce que tout le monde t'aide, personne ne t'a aidé. Donc, je suis de tout cœur avec toi. Va et repose en paix. Ce soir, je vais te faire un petit tour. Ouais, parce que vraiment, ça m'a vraiment fait mal. Il faut aider nous vivants. C'est pas maintenant qu'elle montre qu'elle va devenir célèbre. Parce que j'ai l'impression que quand je vais maintenant à Facebook, là, je vois qu'elle est devenue célèbre. Tout le monde met ses photos. Tout le monde est Makaz, Coury de Makaz, du groupe Makaz. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui sont tristement célèbres. Comme j'avais perdu ma soeur qu'on appelait Pamela Evudia. Pamela Evudia, à l'époque, elle voulait tellement être célèbre, elle n'a pas pu être célèbre, mais elle est morte comme dans les années. Vous avez vu l'histoire de Boca et tout, elle est devenue célèbre, on avait filmé, nous, elle est devenue célèbre. C'est la même chose que celle-ci. Là, maintenant, elle devient célèbre, hein. On parle que d'elle partout, tout le monde met ses photos, tout le monde met sa musique partout. Voilà, elle est devenue célèbre. Ça, c'est la vie. Je ne sais pas tout le monde qui dans ce monde ce qui va être connu et célèbre. Hein. Mais je pense que dans notre vie, les gens vont être célèbres. Donc va ma soeur et tu reposes. Donc voilà. Donc je vous embrasse. On se voit tout à l'heure. Hein. Donc, ça laisse ça. Le direct que tu veux faire là, c'est pour te noir encore plus. C'est pour être encore dans le noir. Arrête. Arrête. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui souffrent de beaucoup de choses. De toute façon, nous on est là, on vous regarde seulement. Bonne journée, mais à tout à l'heure, merci.